Bonjour et bienvenue pour cette séance HIIT cardio. On va brûler un max de calories dans cette séance et vous allez vite comprendre pourquoi. On a un échauffement, ensuite on a une petite pyramide comme la semaine dernière mais avec des exercices un peu plus durs. Bah oui, il fallait bien monter le niveau. Donc si vous me découvrez aujourd'hui, vous avez d'abord la première chose à faire, c'est cliquer en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications. Ensuite, cliquez dans la description de la vidéo, vous avez un premier lien, c'est un guide de la perte de poids gratuit, c'est 100% gratuit comme je viens de le dire, donc profitez-en, c'est un cadeau de bienvenue et vous pouvez également, si vous le souhaitez, participer à ma cagnotte. Cette cagnotte va me permettre moi de créer un tout nouveau programme et d'évoluer, et en échange de cette cagnotte et de ce don, c'est un don de 20€ que vous pouvez faire, vous aurez accès à mon tout nouveau programme qui sera un programme payant qui sortira en janvier 2022, donc dans quelques mois, et ça vous permettra d'avoir un accès 100% gratuit parce que vous aurez fait partie en gros de ce projet avec moi, donc je vous remercie du fond du cœur. On est parti les amis pour cette séance qui va chauffer, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes en forme. Prenez une bouteille d'eau, ça va chauffer, c'est parti les amis, let's go! On est parti pour votre HIIT cardio les amis, donc le deuxième de votre deuxième mois. Et aujourd'hui, exactement la même structure et le même principe que la semaine dernière, sauf que j'ai mis des exercices un peu beaucoup plus durs et vous allez voir que ça va un petit peu piquer. On commence avec un échauffement de la course et on part en 3, 2, 1 et go! C'est parti, on y va! Donc là ici, course, soit marche active ici, ou alors légère course tranquille, comme vous voulez, choisissez l'option qui vous convient et envoyez. Allez, go. Là ici, donc soit j'utilise les bras ici, dans tous les cas j'utilise les bras, mais soit je les utilise bien actifs, bien de manière active pour vraiment faire monter mon cœur, même si je suis sur de la marche active, soit je suis un peu plus cool sur les bras, mais du coup je suis un peu plus en course. Et c'est parti. Allez, on garde les abdos serrés. Dans 20 secondes, gardez ça, on partira pour les burpees. Ok, donc plusieurs options, continuez. Hein. Les burpees, c'est soit ici descendre, derrière, reviens. Repasse debout, soit un peu plus en saut, en serrant les deux pieds derrière, en revenant les pieds larges devant. Continuez comme ça, s'il vous plaît. 3, 2, 1, go, c'est parti. 10 secondes de burpees. Allez, ensuite on enchaînera avec des grapevine. Yes, soit ici, soit sans impact. 3, 2, 1, time, passez debout. Là ici, grapevine, on vient croiser un pied derrière et on garde ça. Yes, allez, croisez derrière, tirez les bras, tirez les coudes en arrière et envoyez tout simplement. Super, les abdos restent serrés, j'utilise mes bras. Yes, allez, le soleil est en train de se lever, c'est super sympa cet endroit. Ok, encore 5 secondes et on part pour 20 secondes de burpees maintenant. Ok, 3, 2, 1, go. Allez, je remonte, soit l'option sans impact. En fait, je fais un squat une fois que j'ai posé mes mains, serré, serré, large, large, et je remonte. Ou alors, squat, serré, large, remonte, comme vous voulez. 8 secondes encore. Ensuite, on enchaînera avec des genoux. Je vais vous montrer les deux options. 3, 2, 1, genoux, c'est parti. Donc là, ici, soit genoux sans impact, encore une fois. Ok, soit léger impact, un petit jump ici, d'accord. On va terminer ces 30 secondes là maintenant avec des burpees. Vous avez vu, plus on avance, plus on a des burpees longtemps. Et vous choisissez à chaque fois les options qui vous conviennent. Peut-être que c'est celle-là, peut-être que c'est celle-là, peu importe. Yes. Allez, encore 3, 2, 1. Burpees, c'est parti, descend derrière, reviens, repasse debout. Ok, ça c'est l'option sans impact encore une fois. Ou alors, là, avec le petit jump, continuez comme ça. Dans 15 secondes, on partira pour une minute de marche de l'ours. Je remets mon tapis bien moi. Gardez les burpees, ok, pour l'instant, on revient pas trop vite parce qu'on est encore un peu sur l'échauffement. Enfin, on est encore complètement sur l'échauffement même. 3, 2, 1, go, marche dans un squat, j'avance, je fais l'inverse des burpees là. Ok, là c'est les bras qui avancent, des abdos qui sont serrés et on y va. Tranquille pour l'instant, je fais un beau squat, je descends bien et j'avance, d'accord. Pour la marche d'ours, faites attention, des fois on est fatigué et on a tendance à la faire comme ça, arrondir son dos, venir poser ses mains. Non, je fais un beau squat, ensuite j'avance avec mes mains, je reviens et je repasse debout, squat. J'avance, je reviens, je repasse debout, d'accord. Gardez ça, encore 30 secondes et on terminera avec une minute de planche, de gainage pour terminer cet échauffement.
Ok, j'avance, je reviens. En fait, on s'arrêtera sur une marche de l'ours à la fin, quand on est en bas, et on bloquera en planche dans 10 secondes. Ok, peut-être qu'on a le temps d'en faire encore une ou deux, peu importe. Allez, là ici, on se met en position planche, sur les coudes, sur les genoux, sur la pointe des pieds, et go, c'est parti, on y va. Donc soit ici, vous êtes sur les genoux, soit vous êtes sur la pointe des pieds, comme vous voulez. Ce qui est important ici, c'est serrer les deux jambes l'une contre l'autre, serrer les abdos, serrer les fessiers. Gardez ça. Max de tension dans vos abdos. Ok, bloqué ici, donc on peut reposer, hein, vous pouvez le voir sur les genoux aussi. C'est vous qui choisissez. Essayez quand vous êtes en gainage comme ça de rajouter le fait de tirer avec les coudes. Ok, comme si en fait, on voulait avancer, comme si on voulait ramper sur le sol et du coup faire avancer son corps. Mais du coup, c'est les abdos qui résistent. On met une énorme tension dans ses abdos et on garde ça. Allez, go! Encore 20 secondes, ensuite je vous explique la suite, même si vous la connaissez déjà, parce qu'on va faire encore une pyramide comme la semaine dernière de 12 minutes 30. Non, pas 12 minutes 30, Arthur, mais si, en plus, l'exercice va être encore plus marrant. Donc, vous allez encore plus profiter. 5 secondes et je vous explique ce qui se passe. Allez, 3, 2, 1 et time, relâchez. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Là, ici, on va partir donc pour une pyramide. Comme on a fait la semaine dernière, on a un exercice 1, un 2, un 3, un 4 et un 5. Chaque exercice, on va les rallonger à la suite, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va faire l'exercice 1 pendant 30 secondes. Ensuite, chaque exercice, on les fait 30 secondes. Ensuite, on va faire le 1 et le 2. Ensuite, on va faire 1, 2, 3. Ok, on rajoute à chaque fois l'exercice jusqu'à arriver au sommet de la pyramide qui est 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on redescend 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Ok ? Si vous n'avez pas trop suivi ou pas trop compris, il n'y a aucun problème, tout simplement parce que vous avez juste à écouter ce que je vous dis et à le faire, d'accord ? Premier exercice de cette pyramide, c'est les speed jabs. Deux options. Option sans impact, option avec impact. Comme vous voulez, d'accord ? Donc on va partir dans à peu près 10 secondes. Vous avez le chrono de toute façon en bas à gauche de l'écran. Et ici, on part pour une minute, même si je vous ai dit 30 secondes, parce que on fait deux fois l'exercice 1 à la suite, parce qu'on fait 1 et ensuite on fait 1 et 2. Et on part en 3, 2, 1. Yo ! Allez, c'est parti ! Donc, pour le speed jab, donc là ici sans impact, ou alors avec impact, vous connaissez maintenant, mais on va revoir vite fait les bases. Ici par exemple, quand c'est ma jambe gauche qui monte, c'est mon bras droit qui vient tendre, ok ? On pourrait le faire de l'autre manière, mais c'est un tout petit peu moins fluide. Ok, donc bras et jambes opposés. Et là, quand vous allez frapper vers l'avant, là ici, faites attention de ne pas, de jamais claquer le bras. D'accord ? Toujours 90%, on va dire à peu près, de l'extension complète, mais on va jamais jusqu'au bout. Et gardez ça. Allez, envoyez, go, 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 go. Donc l'exercice 1, j'ai fait exprès de mettre un truc un petit peu plus dur que la semaine dernière. Ok, un tout petit peu plus dur. Et vous allez voir, chaque semaine, on va encore progresser de cette manière-là. Et après le mois numéro 3, on change tout encore une fois. Continuez comme ça, préparez-vous juste pour l'exercice suivant. Ce sera des climbers niveau 2. Pied gauche à côté de la main droite, ici à côté de la main gauche. Et ici, 3, 2, 1, go. Soit vous le faites sans impact, comme si je faisais un pied à côté de ma main à chaque fois. Avec impact ici, droite, gauche, droite, gauche, comme vous voulez. Abdos bien serrés. On garde ça. Et je vous remonte l'option sans impact. C'est la même chose, sauf que je viens toucher. Je reviens derrière en planche. C'est pour ça qu'on a fait une minute de planche à l'échauffement. On préparait le corps à rester en planche. Ok, dans 5 secondes, on repart pour les speed jabs. 3, 2, 1 et time. C'est parti. Là, on n'y va que 30 secondes. Donc, profitez-en. 30 secondes de speed jab. Yes. Allez, on envoie. Let's go, let's go. Aïe, aïe, aïe. Allez, frappez vers l'avant. Je vous rappelle, hein, l'option sans impact. Et dans 15 secondes, on enchaîne avec les climbers niveau 2. Yes. Allez. Allez, go, 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 go. Top. Passez au sol. Climber niveau 2. Juste après les climbers niveau 2, on va rajouter l'exercice numéro 3 qui sera des burpees. Donc vous savez déjà ce que c'est. On a fait l'échauffement, pas besoin de vous montrer, comme ça vous pouvez rester en effort et juste vous préparer mentalement à faire des burpees. Oh mais ça c'est trop cool Arthur de faire des burpees. Bah oui, je sais que ça vous manquait. Allez, encore 5 secondes. Et d'ailleurs, repassez déjà debout. Burpees, 30 secondes, 3, 2, 1, go. Allez, là ici, burpees. Plus on va se rapprocher de la fin de la pyramide, plus je vais vous donner des options impactantes, d'accord, qui donnent
encore plus de rythme, encore plus dur. Si comme ça vous sentez que vous êtes encore en forme, vous pourrez prendre ces options. Ne les prenez pas forcément tout de suite, parce qu'il faut tenir quand même 12 minutes 30. Allez, donnez-moi encore 5 secondes et ensuite on enchaîne avec les speed jabs. 3, 2, 1, go! C'est parti, speed jab! Yes! Il y a les gens qui sont en train de nettoyer là la plage, parce qu'hier il y a eu un mariage et c'est assez crade. J'avoue que je suis un peu surpris quand même. Je comprends pas comment on peut être dans un décor aussi magnifique. Faire son mariage, c'est cool, je comprends. Ça par contre, ça c'est vraiment cool. Mais par contre, c'est tout crade par terre, il y a des poubelles partout explosées et tout, franchement. Les gens qui ont fait le mariage, si vous regardez cette vidéo, venez nettoyer, c'est dégueulasse. Désolé, c'était mon petit coup de gueule. Allez, gardez les burpees, climber niveau 2, go. On y va. Droite, gauche, droite, gauche. Aïe, aïe, aïe. Allez, envoyez, faites monter le cœur. Les abdos restent bien serrés. Et encore une fois, on peut prendre l'option sans impact si on fatigue. Ok? Là, ici, droite, gauche. Les mains sous la ligne des épaules. Et j'envoie. Dans 5 secondes, je vais partir en burpees. Aïe, aïe, aïe. 3, 2, 1. Burpees, go. Allez, gardez ça. Donc, soit ici, sans impact complet. Ok, soit ici, léger impact. Si vous sentez chaud, vous pouvez commencer à rajouter un squat jump à la fin. Ok, dès que vous arrivez en haut, un squat jump. Préparez juste vous mentalement. On rajoute l'exercice 4 à cette pyramide et ça va être des donkey kicks. Ok, donc là, restez au sol, option sans impact, derrière, devant, devant, reviens, reviens, d'accord? Ça, c'est l'option sans impact. Go, c'est parti, on y va. Donc ça, c'est l'option sans impact, option avec un pack talon-fesse. Let's go! Allez, donkey kick. Vous vous rappelez, on a déjà fait, pas énormément, mais on a déjà fait sur le premier mois. Ok? Donc soit ici, talon-fesse. Ok, c'est comme des sortes de talon-fesse. Et au sol, et encore ça c'est l'option simplifiée, la plus dure en vrai c'est plier tout son corps et tendre, mais c'est très très dur. Passez debout, speed jump, go. Allez, comprenez pourquoi on peut pas mettre un exercice très dur. Parce que c'est celui qui nous permet de récupérer à la fin des exercices durs. Yes. Et d'ailleurs, en parlant d'exercices durs, on arrive au sommet de la pyramide les amis. On fait exercice 1, 2, 3, 4, et 5, je suis désolé. Dernier exercice, c'est des tuck jumps. Oh, ça va piquer. T'es sûr, Arthur? Oui, je suis vraiment sûr. Allez, passe au sol. Climber au niveau 2, 3, 2, 1, go. Droite et gauche. Yes. Envoyez là, ici, avec ou sans impact, comme vous voulez. Abdos serrés toujours. Et j'envoie. Yes. Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu? Il reste 15 secondes, si c'est possible. Oui. Si on fatigue trop, on n'accélère pas justement, on garde ce rythme-là. Ok, comme vous voulez. Et encore une fois, burpees dans 3 secondes. Allez, mettez-vous en place. 3, 2, 1, go, burpees. Allez, je remonte sans impact, même si vous connaissez par cœur maintenant. Ok, donc soit un squat derrière, derrière. Reviens, reviens. Et là, je me redresse avant de passer debout. Ou alors, squat, planche, squat, jump. Gardez ça dans 15 secondes. Donc, kick, kick. Comme on a fait tout à l'heure, d'accord, avec les options, avec ou sans impact. Ok, ici, en position planche. Allez, 3, 2, 1, et go. Donkey kick, soit ici, derrière, devant. Ok, soit ici, talon de fesse. Si vraiment c'est trop fatigant ça, et que l'autre, l'option 1, elle est facile, et ben faites par exemple 3 sauts, et une fois l'option 1, vous pouvez très bien faire ça. 1, 2, 3, et la quatrième en option plus facile pour récupérer, d'accord? Comme vous voulez. Allez, passez debout. Tuck jump, dernier exercice. Soit vous faites ça. Squat, genou, genou, go. Ça, c'est l'option sans impact. Squat, genou, genou. Option avec impact, désolé pour vous les amis. Tuck jump. Là, vous faites 2-3 sauts. Tuck. 1, 2, 3, tuck. Aïe, aïe, aïe. Et si vraiment vous êtes en forme, tuck, tuck, tuck. Yes, gardez ça. Et envoyez, c'est le dernier exercice de votre pyramide, on le fait qu'une fois. Alors profitez-en. Je vous rappelle l'option plus simple. Un squat, un genou. Un squat, un genou et reprend 3, 2, 1, go. Speed jab. Allez, maintenant, on redescend la pyramide, ok? Là, c'est le moment où
On fait redescendre un peu son cœur sur le speed jab. Si vous avez beaucoup donné, faites le même sans impact, ok? Ça vous permet de récupérer parce qu'on n'a pas fini encore. Hein. Il faut quand même redescendre toute la pyramide. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Yes? Allez, préparez-vous. Climber niveau 2, 3, 2, 1, go! Allez, soit ici. Normalement, les tuck jumps, ça fume bien. Soit ici, droite, gauche, droite, gauche. Choisissez ce qui vous convient. Yes! Allez, envoyez. Une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche. 15 secondes encore. Après les climbers, et ben c'est les burpees. Yes! Droite, gauche. Préparez-vous. Dans 5 secondes. Waouh! Je suis hyper essoufflé. 3, 2, 1. Et burpees, go! Allez, soit l'option sans saut, ok? Soit avec saut, on s'en fiche. Ce que je veux, c'est. J'arrive même plus à parler. Ce que je veux, c'est que vous fassiez ces 12 minutes 30 à fond, sans pause, sans rien. Et que vous cherchiez un max à sortir de votre zone de confort. C'est ça le plus important. C'est ça qui fait que c'est fatigant aussi. Dans 5 secondes, on fera les tuck jumps, les donkey kicks, pardon, pour la dernière fois. Mettez-vous en place. 3, 2, 1, go! Allez, je remonte l'option. Sans impact, on peut aller un peu plus vite. Hein. D'ailleurs, on peut faire comme un petit saut. Ou alors, talons fesses. Allez, les abdos restent serrés. Yes. Et envoyez. Max de répétition. Devant, derrière, d'accord? Vraiment ici, des beaux talons fesses. 8 secondes. Et on repart sur le speed jab. Attention. 3, 2, 1, go. Option sans impact. Je vous rappelle, hein, si vous êtes encore en forme, vous pouvez y aller même sans monter par exemple trop les genoux, mais gardez quand même quelque chose d'assez cardio. Ok, là maintenant, continuez. On enlève les donkey kicks. On n'a plus que l'exercice 1, 2 et 3. On n'a plus beaucoup de temps à faire, plus beaucoup de temps d'entraînement pour aujourd'hui. Alors profitez-en. Allez, exercice 2, c'est les climbers niveau 2. Et d'ailleurs, on se met en place. Et on part dans 3, 2, 1, go! Allez, climber niveau 2, ne pensez plus à rien. Il faut juste envoyer. Je vous rappelle que vous pouvez très bien. Des fois, vous pouvez même switcher entre les deux options, d'accord? Vous pouvez très bien, si vous voulez, faire 4 avec saut, 4 sans saut. Ça vous permet d'avoir un intermédiaire. Le but, c'est que vous soyez très essoufflé. C'est pour ça que moi, je ne peux pas tout faire à fond. Pourquoi? Parce que si je suis hyper essoufflé, ben, je ne peux pas parler. Normalement, dans une séance comme ça, vous ne pouvez pas du tout parler. Burpees les amis pour la dernière fois, 3, 2, 1, go! Burpees! Allez, profitez-en, c'est la dernière fois que vous en faites dans ce bloc de travail. Et oui, j'ai pas dit dans cette séance parce qu'on va encore en faire un petit peu après. Mais on sera quasiment à la fin de la séance. Donc on en profite. Allez, encore 15 secondes, soit l'option. D'ailleurs, il y a un jump là si on veut. On rajoute le jump, il n'y a pas de problème, comme vous voulez. Ouais, il commence à faire hyper chaud, le soleil est en train de se lever. 5 secondes! On reprend le speed jab. 3, 2, 1, time. Allez. Hey, vous voulez une bonne nouvelle? Il nous reste 1 minute 30 pour cette pyramide. C'est-à-dire que. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ici, je fais. Exercice 1. Et ensuite, 1 et 2, pardon, et après 1. D'accord? Donc là, on fait speed jab. Ensuite, climber niveau 2. Et re-speed jab. Et c'est terminé. Allez, envoyez. Là, pour les climbers niveau 2, je veux que vous me donniez tout ce qui vous reste. Pendant les 30 dernières secondes pour cet exercice, placez-vous au sol. 3, 2, 1, go! Allez, on y va! Regardez, si vous êtes en pleine forme, vous pouvez faire ça. Jump, 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 jump. Ça, c'est un petit bonus pour le final. Ou alors, restez sur celui que vous faisiez. Ou alors, restez sur celui sans impact si vous êtes déjà KO. Et c'est normalement le cas un petit peu. Si vous avez bien tout fait, vous devriez déjà bien KO. 8 secondes et on termine avec les speed jabs pour la dernière fois. Allez, accélérez. 3, 2, 1, go! Yes! Et on envoie. Et on envoie. Aïe, aïe, aïe. Allez, frappez là, c'est les 30 dernières secondes. Après, on a une minute de récupération. Donc, on va vraiment profiter pour bien récupérer avant le l'AMRAP final de 2 minutes seulement. Oh, c'est trop facile, 2 minutes, Arthur. Je suis pas si sûr que ça. Gardez ça. 8 dernières secondes. Allez, peut-être qu'on est là, on en peut plus. Wouh! Peu importe. 3, 2, 1 et time. Récupérer. Ok. On finit. On récupère une minute. Et on finit avec un AMRAP comme la semaine dernière de 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut tout simplement dire qu'on va faire 10 donkey kicks. 10, excusez-moi, je vais... dis tuck jump, je suis pas cool dans ce que j'ai fait là. Et 10 burpees. D'accord, ça veut dire que pendant 2 minutes, vous allez faire un maximum de fois 10 donkey kicks, 10 tuck jump, 10 burpees sans vous arrêter. Là, c'est vraiment un kicker. Le but, c'est de vous terminer. Je remonte. 10 donkey kicks. Soit ici, soit ici. Ok ? Tuck jump. Soit squat. Genou, genou, ça fait 1. Ou alors, tuck. Et après, les burpees, vous connaissez, avec ou sans impact. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Non-stop jusqu'à la fin de la séance. Ok ? Donc, on se met en place. C'est une sorte de course contre la montre comme si c'était un sprint final. Allez, 3, 2, 1, go! Allez! 10 donkey kick, 7, 8, 9, 10 pour moi. Ensuite, 10 tuck jump, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, 10 burpees. Yes! Allez, envoyez. Ne relâchez pas. 3, 4, gardez ça. Ça dure que 2 minutes. Vous prenez les options avec, sans impact, peu importe, ça ne me dérange pas. Tout ce que je veux, c'est que vous finissiez cette séance en beauté, les amis, d'accord? Il faut vraiment que vous finissiez hyper essoufflé. C'est votre hit cardio de la semaine. Et vous ne pouvez pas me dire que ça ne vous a pas fumé. Normalement, vous êtes forcément à la fin de cette séance au bout de votre vie. Prenez, switchez les options. J'ai plus besoin de vous expliquer, vous connaissez maintenant. Il nous reste 1 minute et c'est terminé. Et votre objectif maintenant, c'est dans la tête que ça se passe. Je veux que vous restiez focus sur votre objectif final. Et c'est comme ça dans la vie qu'on atteint quelque chose, d'accord? On peut par moments être fatigué, on peut avoir des downs, être moins en forme, mais le plus important, c'est de quand même avancer, d'accord? Je suis fatigué, je vais travailler peut-être qu'à 30% par rapport à d'habitude où je suis à 100%. Mais j'avance quand même et je ne suis pas en train de rien faire. Ça, ça nous tue par contre de rien faire. Plus que 30 secondes. Allez, peut-être que vous êtes sur les burpees sans impact. Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est que vous ne vous soyez pas arrêté et vous continuez à être dans l'action. Vous continuez à avancer vers votre objectif. Je sais que cette séance n'était pas facile, mais c'est maintenant qu'il faut accélérer. Il reste 10 secondes, les amis. Accélérez, s'il vous plaît. Peut-être que vous êtes sur les tuck jump sans impact, peu importe. 3, 2, 1 et time. Waouh. Franchement, félicitations. J'espère que vous avez bien senti cette séance. Normalement, vous êtes hyper essoufflé et c'est le but. Franchement, bravo. Essayez, s'il vous plaît. On va faire redescendre son cœur tranquillement et attraper son pied droit et étirer sa cuisse tranquillement. Les séances de hit cardio comme ça, c'est pas très dur musculairement. Vous devez le sentir, c'est surtout au niveau du cœur. Le cœur accélère à fond, ok? On sent que... Changez de jambe s'il vous plaît. On sent que vraiment on est monté très très haut. Normalement on a très chaud, on transpire. Moi encore plus parce que le soleil s'est levé et que du coup je commence déjà, je tiens même plus debout. Ah, crevé de chaud. Il est 7h30 du match, je crois 8h, un truc comme ça. Et il fait chaud! Ok, relâchez un petit peu. Là ici, ouvrez un peu vers l'arrière. Je vous rappelle, vous avez toujours les séances du mercredi pour vous étirer tranquille. Donc profitez-en, vous avez des fois les séances sur la plage, des fois, enfin bref, je fais dans des endroits différents à chaque fois. Donc quand vous avez la semaine dernière, celle de la semaine dernière, pas cette semaine, je l'ai fait sur une super belle plage. Alors profitez-en si vous voulez la refaire. Prenez une grande inspiration les amis et relâchez tout. Yes, félicitations. Yes, félicitations. Est-ce que vous avez senti votre cœur monter en flèche? Est-ce que vous avez eu chaud? Vous avez transpiré? J'espère que oui. Et si ce n'est pas le cas, eh ben refaites un tour de la petite pyramide de 12 minutes 30. Je pense qu'elle vous a fait plaisir. Je vous invite à mettre un like si ça a chauffé. Et même si ça n'a pas chauffé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires fait en me disant comment vous avez ressenti cette séance. Partagez-la sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben vous pouvez aller dans la description de la vidéo, profiter et partager ma cagnotte ou y participer. Faites ce que vous voulez en fait. Quoi qu'il arrive, je vous dis à demain pour votre prochaine séance. Full body, on va muscler tout le corps, donc ne ratez surtout pas cette séance. À demain les amis, ciao !